reste grillé. Normal. Il n'y a pas de clignotant, évidemment. Qu'est-ce qu'il fait au plein milieu, lui, ce gros débile là? Abruti. Normal. Ah, il est arrêté là, lui. Ah, il est arrêté, ouais, normal. Normal. Au niveau d'un stop, bah oui, normal. Et il est au téléphone. Ouais, au téléphone, ouais. Incroyable. Le pire, c'est qu'il y a un parking quasiment vide. Mais non. Vous voyez, je comprends pas, n'empêche, là, il y a le Citroën Jumpy ou je sais pas trop ce que c'est là. Enfin, Citroën, c'est sûr, mais bon, le monospace. Il est garé. Il est. Eh ben. Il est garé à. Putain, j'allais bien au téléphone, elle. Incroyable. Ouais, je disais, il est garé à 20 cm du passage piéton. Et encore, 20 cm, je suis gentil. Alors que normalement, dans les textes de loi, on n'a pas le droit de se garer à 5 mètres avant un passage piéton. Donc pourquoi il y a des places sur lesquelles on peut se garer dessus, légalement, alors qu'elles sont à 10-15 cm d'un passage piéton? C'est incroyable là quand même. Ou alors ces places sont illégales et elles doivent être retirées. Et si c'est comme les ralentisseurs. Hein. Et ouais, franchissement de ligne continue. Pour pas changer. Incroyable. Et encore, Léa s'arrête entre deux pour caresser un chien. Débile.